Voilà. Et puis pour rebondir sur ce que tu disais, Je t'en Didier, prie. par rapport à Dieu, s'il voulait nous punir, il exaucerait nos voeux. En fait, on est en train d'aller vers la cinquième dimension. Je pense que c'est des sujets qu'on évoque beaucoup sur ta chaîne et sur la mienne, Didier. Donc, je pense que les internautes qui nous écoutent sont familiers avec cette notion. Et donc, on est en train de s'éterrer de plus en plus, hein, de se libérer de nos casseroles de plus en plus et d'avancer vers plus de pouvoir, plus de connexion à l'invisible, plus de souveraineté. Eh bien, sachez que vous allez remarquer que plus on va monter en vibration, plus on va expanser notre conscience, plus la vitesse de manifestation de nos souhaits est rapide. Et donc avant, quand vous faisiez un tableau de visualisation créatrice, ou alors quand vous faisiez un souhait vers l'univers en disant « Oh, s'il te plaît, j'aimerais bien avoir, je sais pas, une nouvelle voiture, ou déménager, trouver un plus beau lieu, ou j'aimerais bien quitter cette relation toxique et tout », avant vous mettiez des mois à y arriver. Et là maintenant, oh, tous les trucs de l'univers se mettent en place et ça va de plus en plus vite. Et eh bien, dans les clés, la clé 18, c'est vous apprendre tous les protocoles, ce qu'il faut faire et ne pas faire pour pouvoir manifester les choses rapidement, parce qu'il y a des choses à ne pas faire. Et parce qu'il y a des gens qui me disent, ouais, moi j'ai fait un tableau, ça ne marche pas. Ben, parce que vous n'avez pas posé les questions correctement. Il y a vraiment des protocoles à suivre pour que ça se manifeste vite et bien. Et croyez-moi, ça fonctionne parce que ce tableau clé 18, je l'ai fait en temps réel, tout est arrivé. Donc, et pourtant, j'ai demandé des trucs qui étaient surréalistes, hein, donc c'était incroyable. Et donc, c'est important d'avoir cette clé 18, de savoir comment on demande et comment on ne demande pas, parce que ça vous amène à un certain niveau de conscience. Et vous allez vous rendre compte que justement, quand vous dites Ah, oh, mais que je suis con, oh, pourquoi je dis ça? Attention, là, tu fais une sorte de mini-imaginoire, c'est-à-dire te rabaisser sans arrêt, te regarder dans la glace tous les matins en disant Oh, que je suis nulle, oh, que je suis grosse, oh, pourquoi je dis ça? Oh, eh bien, quand on est arrivé à un certain niveau de vibratoire et qu'on arrive à manifester les choses vite, ça veut dire que quand vous vous dites des horreurs, vous arrivez à vous détruire vite aussi. Donc, Oui, le verbe est c'est une sorte créateur, de c'est pas prise pour de rien. conscience, hein, ça c'est très important parce que comme on est tous collectivement en train d'aller vers la cinquième dimension, c'est une sacrée prise de conscience de se dire, faites attention, plus on va aller dans le temps, plus vous allez manifester les choses vite vers ce qui est bon pour vous, mais attention. Plus vous allez vous détruire vite si vous avez des mauvaises pensées envers vous-même ou envers les autres. Mais alors là, si vous êtes éveillé, normalement, vous n'avez pas de mauvaises pensées envers les autres. Mais sachez que c'est pareil. C'est très mauvais, quoi. Ça va vous C'est très mauvais. détruire. Donc là, on est dans le premier accord Toltec, avoir la parole impeccable. Parce qu'elle est à double Exactement. tranchant. Hein. Voilà. Il y a Ah oui. cela. On est dedans. Exactement. Ce livre, on aurait pu faire une promotion et simplement dire un livre acheté, un livre offert. Ou plutôt, pour être plus correct, un livre acheté, un livre audio offert. C'est le cas.